Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétorant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Hello famille, c'est toujours Irritant, votre homme serviteur. Voilà, vous avez bien remarqué, c'est Loris Event. Et vous avez cliqué sur la vidéo parce que je parlais de Bordeaux et de Sidi Diabaté. Je sais. Mes détracteurs vont encore dire, ah, Sidi Diabaté, ben oui, Sidi Diabaté. Parce que c'est lui qui fait l'actualité actuellement. Voilà, actuellement, nous multiplions toutes ces vidéos-là. En tout cas, moi, perso, je multiplie toutes ces vidéos-là parce que je veux le voir sortir très, très rapidement. Mais en même temps, il est bien aussi de récidiver sur certains propos. Voilà, pour éclairer la lanterne de certaines personnes. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ignorants parmi nous qui se laissent berner par certaines personnes. Bref, on va en parler tout à l'heure. Mais bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous avez bien remarqué à mon introduction dans cette vidéo qu'on parlait encore de Loris Event. Loris Event, ce n'est pas une petite structure, ce n'est pas un petit espace. Voilà, si tu veux vraiment bien t'amuser à une fête, à un mariage, à un baptême, à une fête de fin d'année d'entreprise ou d'école, l'adresse idéale, c'est Loris Event. Parce qu'ils ont tous les arguments. Ils ont tous les arguments. Je sais que parmi mes abonnés, il y a beaucoup, beaucoup parmi vous qui n'ont jamais vu des pans de leurs propres yeux. Allez à Loris Event, il y en a là-bas. Oui, des cascades. Bref, il n'y a pas trop à aller. Sinon, on dit, toi, tu aimes trop faire la talako des choses. Et quand c'est beau, il faut faire la talako. Sidi Diabaté. Ouais, Sidi Diabaté. Lâché par ses structures. Quand je parle de structure, je veux parler de Universal, sa maison de production. Je veux parler des Primudes où il était nominé. Je veux parler aussi des Afrima où il était nominé. C'est bien triste ce constat, mais c'est ce qui est. Et normalement et logiquement, ce genre d'information-là devait interpeller certains fans de Sidi Diabaté, épris de bon sens, qui ont la tête sur les épaules et qui voient au-delà de ma personne. Vous savez, on dira qu'ils ne l'ont pas lâché. Je sais, c'est ce que vous direz en commentaire. Mais moi, j'appelle ça lâcher parce que même suspendre quelqu'un, c'est une façon aussi de le lâcher. Voilà. C'est-à-dire, pendant que Sidi Diabaté est en prison, s'il doit faire 10 ans, pendant 10 ans, sa collaboration ou ses rapports avec ses structures seront fermés. Close. Et vous savez pourquoi j'en parle? C'est pour expliquer à ses fans. Je ne dis pas forcément que Sidi Diabaté est coupable, mais il y a une présomption de doute qui font, je n'ai pas dit qui fait, excusez-moi, qui fait que cette structure-là le lâche. Parce que imaginez qu'il croit dû comme fait que Sidi Diabaté est innocent et qu'il apporte toujours leur image ou bien qu'ils associent toujours leur image à cet artiste-là et que je touche du bois, cet artiste-là est condamné et est reconnu coupable. Vous voyez que ça apporte du discrédit à leur renommée, à leur réputation. Vous comprenez un peu? C'est pour dire que quoi? C'est vrai que peut-être Sidi Diabaté peut être innocent, mais rien n'est sûr. Rien ne nous dit qu'il est innocent à 100%. Moi, tout ce que je souhaite, je ne vais jamais cesser de le répéter. Moi, je veux qu'il sorte. Trouver le moyen de faire sortir Sidi Diabaté et après, suivre, pour ne pas dire poursuivre l'enquête. Moi, c'est ce que je souhaite pour Sidi Diabaté. Maintenant, si je parle de ces structures que l'on a lâchées là, c'est pour interpeller ces personnes-là qui se laissent berner par certaines personnes qui leur font croire que Sidi Diabaté est innocent. Voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il est coupable. Je dis, quand vous voyez des structures sérieuses comme les Primudes, les Afrima et sa propre maison de choses, production universelle, Musique Africa, le suspense, c'est-à-dire se retirer de lui pendant un moment bien déterminé, c'est parce qu'ils se disent qu'il peut être condamné, il peut être reconnu coupable. Et pour ne pas associer leur image à cela, il peut faire s'en abstenir et regarder ça de loin. Voilà. Maintenant, si Dieu merci, après tout ça, il savait que Sidi Diabaté est innocent. Alhamdoulilah, comme le disent les musulmans. Dieu merci. Ça sera seulement pour le plaisir de ses fans et de tous ses admirateurs à travers le monde. Mais je viens encore vous dire, restez vigilants dans vos actes. Restez vigilants dans vos propos. Restez vigilants dans vos démarches, dans vos prises d'initiative. Restez vigilants. En tout cas, pour ce cas, Sidi Diabaté. Parce qu'il y a des ONG, plusieurs ONG très sérieuses qui, si Sidi Diabaté est reconnu coupable, écoutez-moi bien, est reconnu coupable. S'ils veulent casser, détruire la carrière de ces derniers-là, ça sera du claquement des doigts. Ça, je vous le dis. Voilà.
Donc prions tous, au lieu de bavarder sans pour autant rien dire de bon sur les réseaux sociaux, prions pour que, un, Sidiki Diabaté soit libéré et deux, qu'il soit déclaré innocent. Parce que c'est ce qu'on souhaite. Moi, j'ai dit que je ne souhaite pas la prison, même à mon pire ennemi. Le fait qu'il soit là-bas, même ça me fatigue. Même si beaucoup parmi vous ne le croient pas. Bref, parlons de Debordo Likoufa. Vous avez bien remarqué que Debordo Likoufa est silencieux musicalement ces derniers temps. Mais moi, j'ai vu plus loin que beaucoup d'entre vous. Et je peux affirmer que Debordo Likoufa est en train de préparer un album. Difficile de le croire. Quand moi-même je viens, vous n'avez pas dit que j'étais venu ici vous dire que c'est possible qu'il fasse un album, mais au regard de ses propos à lui, ce sera difficile de croire qu'il sorte un album. Mais je pense que Debordo n'est pas dans ce silence-là pour seulement se perfectionner dans les arrangements. Je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Parce que les gens comme Debordo, quand tu les parles, tu as l'impression qu'ils ne t'écoutent pas, mais au fond, ils t'écoutent beaucoup. Et je ne vous dirai pas qu'il est rentré déjà en studio ou bien il a commencé à faire des studios pour préparer ses différents titres de son album. Mais un album de Debordo Likoufa arrive. Vous savez pourquoi je dis ça? Je peux même vous donner le nom de son producteur. Inch'Allah, s'il s'avère que mes analyses sont bonnes. Son producteur sera David Monceau. Ben oui, David Monceau. Pourquoi j'ai dit David Monceau? Vous vous rappelez bien de la collaboration de Debordo et Hérité Watanabe en France? Quand Debordo est rentré, silence musical au niveau de Debordo. Il va falloir comprendre qu'il y a eu des pourparlers entre Debordo Likoufa et le producteur, le grand producteur, l'artiste David Monceau. Mais je sais que si c'est la tarte, c'est parce que mon artiste Debordo Likoufa, on ne joue pas avec son affaire d'argent. Sinon, le projet, il est viable, le projet, il est suitable. Et le projet va voir le jour, peut-être même en début d'année, où on va en entendre parler en cette fin d'année. Vous pouvez compter sur moi. Voilà, je vous donne ce scoop-là. Je pense et je crois, Dieu comme fait, que Debordo envisage faire un album. Mais comme jusque-là, il ne s'est pas encore entendu avec son producteur ou bien avec son futur producteur, c'est pourquoi vous n'entendez rien. C'est vrai qu'il est en train de bosser pour être bon arrangeur, pour pouvoir s'arranger comme il veut et quand il veut. Mais au-delà de ça, il y a un album en cours. Voilà, donc chers légionnaires, soyez prêts. Parce qu'on a tous emmerdé Debordo Likoufa à sortir un album. Et je pense pour ma part que s'il nous annonce officiellement, on doit vraiment s'apprêter à l'acheter massivement. Donc, deux informations. Debordo est en train de préparer, est en train de discuter la faisabilité de faire un album. Et son producteur sera David Monceau. C'était votre homme, c'est Hérito. Affaire à suivre. Vous verrez d'ici quelques mois si Hérito a menti ou bien il a dit la vérité. Ciao, ciao.